Voilà. Donc c'est à nouveau moi. Alors vous vous souvenez que là il y avait le robot et que j'étais tout de suite remonté et que j'avais même pas vu là, alors que je l'avais vu au début du jeu. Donc voilà, il faut le napalm pour passer ici. J'ai un peu honte de moi parce que je l'ai pas trouvé tout de suite. Oui, j'ai regardé la Solus parce que je savais pas du tout où aller. Et j'ai effectivement manqué, donc on va dire que si j'avais pas regardé la Solus, j'aurais juste cherché un peu plus longtemps dans le jeu. Parce qu'en tapant tout le jeu depuis le début, je l'aurais retrouvé. Hein. Voilà. C'était bête comme chou. Caron Forest. Waouh! Bon, bah on va l'explorer tout de suite, je sais pas si j'aurais... Oh, elle a sa musique à elle. Non, bon, d'accord. Donc il manque 4 objets, j'ai pas le radar sur moi. Vous savez quoi, je vais quand même prendre le radar, j'aurais pas envie de rechercher après. Oh non, qu'est-ce que je fais? J'ai appuyé sur la touche bas, il m'a mis à droite. Voilà, j'appuie en... Ouais, enfin, il est bizarre, Thaïs. Donc on va équiper. Donc, je sais pas, je vais zapper le napalm. J'ai sûrement tort de faire ça, mais bon. Franchement. Voilà. Ok, donc il y a déjà un objet, c'est rassurant. D'accord. Ok, donc. Moi qui me suis privé du napalm. Oh. Je vais juste voir où ça mène. C'est une bonne nouvelle. Alors, je vais peut-être pas faire le fast forward, ça va fausser ma vidéo. Voilà. On a besoin du napalm. Quelle énorme surprise. Et du robot déjà. Donc je vais dire que j'ai pas besoin de la large bombe. J'espère. Parce que t'as besoin d'une bombe minimum. Alors, j'espère que ça suffira pour aller dans Caron Forest. Bah, napalm. Hein. Le ressort, ça devait être pour le pousser de l'autre côté, je pense. Donc, c'est déjà fait ça. Des fois, il le fait en entier, des fois, il le fait pas en entier. Ah, ah. C'est pas ici qu'il doit aller. Voilà, et là, évidemment, il y a de l'herbe. Bien sûr, de l'herbe, enfin du vent, hein. Pas de l'herbe à fumer, hein. Thaïs ne fume pas de bœuf. C'est bien dommage. Et c'est vrai que c'est pour aller de l'autre côté. Il n'y a pas de robot ici par contre. Moi je pensais que c'était un niveau bonus, tu vois, au début je me suis dit c'est pas possible. Allez. Tweet. Là, je suis coincé. Bon, il respawn, hein, donc je m'en fous un peu, mais... Ah. Quoi? Attends, il manque quelque chose, là. Je suis pourtant sûr de ce que je fais. Parce que là, il reste coincé, donc... Oh, y'a rien. Est-ce que j'ai besoin du truc pour porter la pierre comme j'avais là qui me permettait de soulever le rocher? Bon, on va laisser ça de côté pour l'instant. Non.
D'accord, donc là il n'y a rien de plus. Non plus. Oh putain, c'est un vrai labyrinthe ce truc là. Ah, je crois que je comprends. On a besoin de la pierre pour faire un. Et on a besoin du gant de force pour porter la pierre pour boucher le trou. Bon, bah, je commence à voir exactement ce qu'il faut pour avancer dans ce niveau. Donc, voilà. Ben voilà, le Power Glove servait à ça. Ce fameux objet qu'on ne savait pas à quoi il servait. Donc j'ai besoin de ça, j'ai besoin de mon radar moi. Je vais pas arrêter les ennemis au napalm, mais il n'y a pas l'air d'avoir d'ennemis. Ouais. Quand même. En fait, en entendant l'OST, je me serais bien douté qu'il y aurait dans ce cas avec la radio une, un nouvel endroit, un niveau secret. Enfin, tant pis, je l'ai pas trouvé. Enfin, j'aurais recherché à nouveau sur tout le niveau, j'aurais retrouvé, je pense, mais là j'avais la flemme de chercher. Alors j'ai gardé la soluce, voilà. Vous pouvez me blâmer, mais je m'en fous. Je l'aurais fini. Hein. Ça change rien. Je suis le meilleur. Je suis le meilleur. Ça va prendre du temps là, de me faire pousser. Donc on a besoin du Power Glove, voilà. Voilà, il peut lancer la pierre mais il peut pas sauter. Oh, fils de... Non, je suis coincé. Voilà. Donc je le fasse respawn. Et que je recommence. Je crois que je vais couper cette scène au montage. Avec le ressort, parce que c'est long. Donc je l'accélérerai, je me démerderai, mais voilà. Est-ce que c'est une île sans ennemis? Ce serait un peu cool. Puisque d'ailleurs, pour l'horloge, je sais même plus où je l'avais trouvé, ni quand je l'avais trouvé. Hey. Tant pis, passe forward. Voilà. Tails! Je me dis pas que maintenant ce compte Tails il va pas. Mais tu vas prendre cette pierre avec toi? En plus, je crois même pas qu'il veut. Il peut même pas la lancer. Si j'appuie sur O. Non. J'ai du mal à y croire. C'est pas un bug? Ouh, je vais retourner voir la soluce, moi. Non, mais alors attends, comment tu le portes? Je suis sûr que tu peux prendre le Power Glove, pourquoi tu peux pas? Bon, allez, coupez au montage, je vais revoir comment faire. Là, je comprends pas. Alors là, s'il y a un bug, je pourrais pas finir le jeu. Je suis quasiment sûr qu'il faut la transporter de l'autre côté. Bon, allez, je m'arrête là pour le moment. Alors, je sais pas ce qu'il y a eu.
Il y a eu un bug. Et moi je suis coincé, donc voilà. Et j'ai réussi à la poser, au travers, et voilà. Donc tant mieux. Non, honnêtement, il y a eu un bug, je sais pas qu'est-ce que... Voilà. J'ai du mal à comprendre ce renard. Bon bah là elle est à nouveau coincée hein. En fait j'étais censé l'acheter du haut je crois. Parce que maintenant elle est coincée pour de bon là. À moins que je peux encore accéder avec le robot. J'aurais dû faire une sauvegarde d'état. Bon ça le fait bugger, ok. Oh bah non, rien de nouveau. Donc je vais à nouveau arrêter l'enregistrement ici. Voilà, à toutes. Alors, oui j'ai réussi à passer par bug encore, hein, donc je sais pas. Voilà. Et maintenant c'est bon. Donc là, je fais tomber le ressort. À moins qu'il veuille s'en servir à gauche, mais ça m'étonnerait. Et puis... Et le rocher a disparu. Ce jeu fume soutient vraiment un problème. Et ben voilà, tu peux porter le ressort, espèce de con. Bon. Et hop, c'est cool. Changer un état. Voilà. J'ai fait un save state, j'y tiens. Parce que là, je... Je vais devenir dingo, sinon. Mais cette forêt est remplie de bugs, c'est pas possible. Regarde, regarde ça. Est-ce que cette fois je peux... Merci beaucoup, Thaïs. Je suis un ange. Ah. Un creux, je sais pas... Non, c'est normal, c'est normal. Ok. Ok, ok. Ok. Alright. Ok, donc là, je sais pas. J'ai pas de bombe, hein. Précisons que j'ai que le napalm. Alors, il y a un autre sort. Mais qu'est-ce que c'est que cette forêt? Un vrai donjon de Zelda. Je cherche une entrée. Voilà. Ok. Triple bombe. Waouh. Oh, évidemment, il y a un autre objet. Idée de ce que je dois faire. Je vais être franc avec vous, je sais pas du tout quoi faire. Mais il y a un ressort. Mais...
J'aime bien comment il lance les objets, Taze. Ah, voilà. Allez. Bon, ok, tu peux pas aller plus haut. Il va falloir que tu le fasses. Ok, tu peux. Allez. Il faut pas qu'il faut que j'utilise une bombe. Y'a pas un autre chemin, non? J'étais pas passé. Bon, on s'arrête là et j'essaie de trouver une bombe. Alors, je sais pas pourquoi je me suis cassé la tête jusque là parce que j'ai trouvé la dernière émeraude. Et oh putain, ma barre de vie. Oh, je suis indestructible maintenant. Je suis super Taze. Bah en fait je pense qu'il faut quand même casser le truc là avec le ressort pour pouvoir voler. Parce que en fait je suis monté jusque là, voilà, donc je suis monté super haut. Et attends voir, il y avait un objet. Je vais juste voir si c'était un objet, je veux juste voir ça. Voilà, j'avais trouvé un objet. Voilà, donc je suis passé par là quoi. Alors, est-ce que c'est un piège? Je sais pas mais... Maintenant faut que je monte, donc je vais quand même être obligé de passer par là. Voilà, donc j'étais là. Ça c'est un ressort, voilà, je l'ai vu. Bon, de toute façon je verrai avec le radar après, bon. Donc oui, il y a une pierre là, je sais pas à quoi elle sert. Mais maintenant on va essayer de remonter, donc comme on avait fait avant. Il manque deux objets, il y avait le Sonic et le la triple torpedo. Donc logiquement, il y a encore un endroit pour trouver ces deux objets, j'ai fini le jeu. Et hop. Non ! Pas possible de tricher avec un ressort. Non. Allez hop, on avance. C'est pas une bonne chose, ça fait vraiment geler l'ordi. Mais que voulez-vous, Taze me force à jouer au con. C'est mal programmé, honnêtement, il est honnête le jeu, il est honnête. Mais il est mal programmé. Il y a des trucs pas clairs. Hein. Pour ça, voilà, il faut faire comme ça. Là. C'est con. Moi, je trouve que c'est con. Bon, allez, maintenant, il faut que je retrouve le ressort donc que j'avais vu. Donc, où il était le ressort? Eh, peut-être qu'il suffit simplement de le lancer. Ah! Ah! En plus, c'est un bouton pour lancer et un bouton pour agripper. Voilà, et on va pouvoir essayer la triple bombe qui en fait est une bombe qui fait 3 explosions. Ah, voilà. Oh merde! Ah, peut-être qu'il y a une sortie à gauche. Parce que le robot ne peut pas prendre les sorties. Non, c'est bon. Maintenant, faut voler. Peut-être que comme c'est le dernier endroit, si on n'a pas assez d'émeraudes, on peut pas voler assez loin. Donc on peut pas... voilà. Voilà. Voilà, et il y a la pierre. Et il y a la sortie, incompréhensible. Allez. Fils de paix.
Allez, bouffe-toi. Bouffe-toi une bombe à fragmentation à la Tails. Putain, il invente des objets de merde quand même. Je sais pas du tout où je vais. Oh la vache. On dirait un labyrinthe. Ah. J'ai très peur des bugs. J'ai du mal à comprendre ce jeu. Si vous voulez honnêtement mon avis. Putain, j'ai peur que ça me ramène au début du niveau. J'ai pas envie de tester. Il y avait un truc là, il y a une plateforme. Non ! Ça c'est injuste. Bon. À toutes. Ça se paiera. Bon alors sauvegarde d'état et je recontinue mon bazar. Bon cette fois je vais faire les choses dans l'ordre, je vais les faire de gauche à droite. Ça. Ou c'est un bug ou... Tu as intérêt à passer. Putain, tu avais intérêt. J'allais pas me retaper tout le chemin pour aller chercher ma bombe automatique. Bon, ça va, il y a un objet là. Ça me réconforte. Putain, ce truc, c'est du Zelda-like. J'ai peur. Il faut envoyer un truc ici. Bon, faut passer en dessous, soit. Ah bon, on va passer en dessous. Bon, cette fois, j'ai continué de voler. Voilà. Je suis sûr que c'était un trou. Je refuse de passer par là. C'est de la duperie. Hein. Est-ce que je dois faire tout le tour avec mon robot? Ce qui me serait assez con, mais peu importe, on va dire ça. On va voir ce qu'il y a. Ah voilà. J'ai peur qu'il téléportait, mais c'est vrai, c'est le robot, donc voilà. On va en profiter pour voir ce qu'il y a ailleurs. Par exemple, ici. Oui, ouais. Oh! Oh! Eh ben, les deux objets là, les derniers sont ici. Ok, bon, on va l'avoir. On va terminer ce putain de jeu. Bon, ça va, ça doit être faisable avec Tails. Je suis coincé. Peu importe. Je vois que Tails peut passer ici et qu'il peut avoir ses deux derniers objets. En fait, c'est censé être. Enfin, quand t'as le napalm, je sais plus quand est-ce que t'as le napalm. C'est censé être un niveau intermédiaire, un bonus, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ennemis, c'est juste un labyrinthe. J'étais passé par là? Ouais, j'étais passé par là. Mais on aura bientôt fini. Je suis content, il va être minuit, il faut que je dorme, demain c'est mon jour de boulot. Mais tout de suite après c'est mon jour de congé, alors ça m'est un peu égal. C'est un bon gimmick à exploiter dans un jeu, mais n'en faites pas tout un plan, quoi. C'était l'émeraude, moi, qui cachait dans tout ce bordel. Allez, maintenant, faut que ça passe.
Ça fait peur, hein. Allez. Proton Torpedo, donc le dernier. Donc le dernier, c'est Sonic. Ok. Sonic. Marrant qu'il est venu à moi alors que je lui ai lancé des bombes. Allez, j'en ai fini avec ce niveau. Je me barre. Adios. Allez, on va se refaire ça et on verra si la fin change. Putain. Oh. Donc, on avait dit, j'ai que besoin de ça. Oh, la triple bombe est plus utile. Bon, elles sont là toutes les deux. Donc le casque. Et on va juste essayer... Sonic. Et pour les docks, donc, on a... Comme on avait dit, le... Proton Torpedo, ouais. On verra bien à quoi ça sert. Je sais pas. Bon, on a... Moi maintenant... Allez, on va déjà essayer ça, comme ça c'est fait. Ouh. Allez, hop, juste pour tester la Proton Torpedo. C'est une grosse topie. Oh. Il me faudrait une cible. Ah, elle est téléguidée. Ouais. Non, elle est téléguidée. Je sais pas quoi dire d'autre, c'est une torpedo, hein. Non. Cette manie de passer par la maison de Tails. Voilà, là je suis sur la map. Allez. Sonic doit me permettre de me rouler en boule. Bon, je peux pas sauter comme Sonic. Voilà. Et il tombe dès qu'il arrive au bord. Ok, voilà. Bon bah voilà, c'était Tails Adventure. Ah. Si, je peux quand même me rouler en boule dans le ciel. D'accord. Bon bah on va se retrouver à la fin du boss. Mais, oh, qu'est-ce que je fais. Bah sinon, voilà, on a fini, hein. La cinématique changera pas, à mon avis. Donc la bombe me permettait d'exploser plus facilement. Bon allez. Finir le jeu en beauté, je vais prendre la triple bombe. La bombe automatique, j'en ai pas besoin dans le dernier niveau, donc ça va. Le robot aussi, Sonic si, voilà. Un heure ça doit être pour taper, mais alors franchement... Voilà. Raido. C'est même pas radio, c'est une faute en plus. J'avais même pas vu. Ok, doc. Moi je... Oh. Cette manie qu'ils ont eu de... Voilà, ça sert à rien en fait.
Voilà. Donc on va se retrouver là pour la nouvelle fin, s'il y en a une, sinon bah tant pis, voilà, donc à toutes. Ok, donc on est là. Donc j'ai mis triple bombe, mais c'est quand même moins facile parce qu'elles sont pas guidées les autres, elles rebondissent sur le sol. Là il faut toucher le boss. Même si elles peuvent faire de la déflagration, c'est quand même moins vide, hein. Enfin... Voilà, il m'a touché. En fait, le mieux c'est de le toucher sans bouger quoi. Voilà, faut attendre au-dessus et puis voilà. Il est pas dur quoi. Voilà, il est déjà mort. Ça va plus vite du coup. Allez hop, et là, même ending, je suppose. Tails se sauve. Voilà, c'est les crédits, donc il y a toujours les objets. J'accélère un peu. Non, il avait déjà créé le robot. Quoi qu'il avait explosé, non? Ah voilà. Je le crois avec le... N. Voilà. Alors bah c'est le même ending, c'est tout. Voilà. 100% perfect. Non, 100%. Donc il s'est rien passé, j'ai juste trouvé tous les objets. Et Sonic était quand même utile. On pouvait rouler dans les ennemis, je voulais pas montrer, mais voilà. Bon, allez, on en a fini avec ce jeu. Alors honnêtement, il était bon, mais franchement, je m'attendais à ce que ce soit plus zen, quoi. Je sais pas. Il était cool, mais il y avait des bugs. C'était pas... Quand c'est pas clair, j'aime pas. Bon. Bah, la prochaine fois, je vais trouver un autre jeu. Parce que j'avais regardé un let's play de quelqu'un pour voir la solution pour aller sur l'île, alors qu'en fait, c'était tout con. Il y a un jeu qui s'appelle Sonic Pocket Adventure. C'est Sonic 2 pour Neo Geo Pocket. Alors, nouvel émulateur, j'aime essayer. On verra ce que ça donne. Voilà, donc en attendant, salut!